La sœur Badobe Orian, si j'ai mal prononcé, je demande pardon. La sœur Badobe Orian, je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans la vie de ma fille. En effet, au terme de sa grossesse, ma fille était très oppressée au point où elle délirait. Waouh! En pensant qu'elle voit des gens qui lui apparaissent. Elle faisait constamment des malaises au point de s'écrouler et aucun traitement ne la soulageait. Dimanche le 28 juillet 2024, de retour de l'église, elle s'est de nouveau écroulée. J'ai saisi ma bouteille d'huile d'onction d'abondance financière et j'ai mis quelques gouttes dans sa bouche en déclarant toutes les paroles que papa dit ici sur nos enfants. Moins de 5 minutes après, ma fille a repris connaissance et depuis ce jour, elle n'a plus jamais eu de malaise. Elle n'a plus jamais vu les gens qu'elle voyait. Elle n'a plus jamais été oppressée. Par la suite, elle a donné naissance à un magnifique bébé en parfaite santé. Pour toutes ces merveilles, nous venons dire gloire à Jésus-Christ. Le premier qui dit un puissant amen, ta vie change. Bon, qui a accouché alors maintenant? Ta fille est où? Gumbet. Ok, c'est toi qui a accouché? C'est normal, Gumbet. Tu as quel âge? How old are you? Tu as 19 ans. Tu as dit un matin. Tu as dit un matin. Tu es remé. Tu es remé. Mais comment les noirs accouchent les blancs? Regarde comment la face, c'est ma photo nette alors maintenant. Blacks give birth to whites. Ma kataba yawadarash. Amen. La face, il ne connaît pas Zoumé. Tout ça, c'est la jalousie. Il ne veut pas qu'on me voie. Regarde, wow. Acclame le Seigneur. Hey, tu as gagné. C'est quoi, c'est son père qui est blanc? Dans la famille de mon père. Dans la famille de ton père, il y a les blancs. Ah, mais comment tu es sorti noir? Il est béni, il s'appelle comment? Alain Daniel. Oh, il est trop beau. Alain Daniel, tu es béni. Je te consacre à Jésus-Christ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu connaîtras le Seigneur dès ton jeune âge. Aucun autre esprit en dehors de l'esprit de Jésus-Christ n'aura accès à toi. Tu es consacré, dédié à le servir et à contempler sa face. Je trempe tes pieds dans l'huile. Ta santé va durer autant que tes jours sur terre. Tu es distingué parmi tous ceux de ton âge et de ta génération par la sagesse et la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vois comment il connaît l'onction, il est calme là. Le bon monsieur, acclame le Seigneur, tu es béni. Tiens-toi sur tes pieds. Bonjour peuple de Dieu, je suis la sœur Amboo Dila Sylvanie. Je viens rendre grâce à Dieu pour sa puissance manifestée dans ma vie. En effet, au terme de ma grossesse, j'ai été oppressée au point où je voyais des gens apparaître qui me poursuivaient avec des lances. Et en effet, je suis venue à l'église, je me suis installée aux urgences grâce à la prière de notre serviteur, papa prophète Rodrigue Ndefo, qui m'a guéri et m'a fait donner naissance à un enfant.